Il y a une vie après les Stox. À 52 ans, le fondateur et guitariste du groupe nordiste mythique des années 80 concocte un nouvel album, rock, mais pas seulement. Ça ressemble aux Stox, c'est de 2-3 titres qui sont un clin d'œil de ce que j'ai pu faire à l'époque avec un groupe bien rock quand même. Mais je pense qu'il y a des chansons très différentes de ce qu'on faisait avant. Il y a des chansons folk rock. Il y a des chansons très folk, il y a des balades, très balades. Et puis il y a des textes un petit peu plus fouillés, je pense. Donc c'est un album un peu plus mûr. Aujourd'hui, Christophe Marquis s'inspire aussi de musique celtique et compose des mélodies plus sages sur des thèmes plus sérieux, la violence, la pollution et l'amour. Pas toujours rose, comme dans Ne me retiens pas. Je m'amuse beaucoup, j'ai en même temps beaucoup de trac parce que je suis quelqu'un d'assez anxieux de nature, donc je veux que ces chansons-là se vendent d'elles-mêmes. Je veux pas, je veux que les gens ressentent de l'émotion dans ces chansons. Et le bouche-oreille, j'y crois toujours. C'est ce qui a fait Stock, c'était le bouche-oreille. Donc ce que Marquis, c'est son bouche-oreille, vraiment pas. L'album sortira en 2008, le CD de titre est disponible sur le net. Marquis va prouver à son public qu'il peut faire du rock sans les Stocks.